Oui. Bonjour, bonjour. J'espère qu'il y a quelqu'un, il y a des personnes qui sont connectées. Je ne suis pas habituée à faire des directs. Pour des amis qui sont sur ma page, qui sont habitués, qui me connaissent et qui voient un peu la personne que je suis, je ne suis pas une personne à faire des directs. Je fais pas des directs. J'aime pas gâter le nom des gens. Mais c'est très grave. Je suis une mère en détresse. Je suis étudiante. Moi, c'est Mireille Saoné. Je réside en Chine. Ça fait depuis, on va dire, 2 jours que je sais que mon premier fils est décédé et que c'est très dur, je sais. C'est pas facile, mais je dois le faire pour Bizet Semnan et David parce que il a lutté. Je suis avec mes amis. Il y a des amis qui sont venus me soutenir. Je suis ivoirienne. Mes amis sont congolaises. C'est juste l'Afrique qui gagne. C'est fini, mon chéri. C'est fini. Ça va aller. C'est fini. Très dur. C'est fini. C'est difficile. Mais je vais faire l'effort de parler. Moi, tout ce que je veux, d'abord, dans un premier temps, que justice soit faite. C'est okay, don't cry, don't cry, it's all right. Justice soit faite. C'est fini, bébé, c'est fini. Sois okay, fort, easy, sois easy, fort. Easy, easy, be strong. Justice soit faite pour mon premier fils qui est mort et le deuxième est dans un état très critique. Excusez-moi, si vous voyez que je suis dans cet état, je sais que c'est difficile. Mais j'ai besoin que le gouvernement de mon pays intervienne. Je vais vous expliquer l'historique de cette histoire. Parce que je ne voudrais pas qu'il y ait des problèmes par rapport à l'histoire de mes enfants. J'ai connu M. Gbizier quand j'avais 14 ans. Et à 14 ans, on va dire, il y a ce qu'on appelle, c'est pas vraiment l'amour, mais tu sais, vous savez, en Afrique, nos parents ne tiennent pas compte de l'adolescence. Et je me suis mariée avec Monsieur Guizier Patrick. On a eu 2 enfants. Et jusqu'à là, j'ai vu que c'était un homme qui aimait me contrôler. Il me contrôlait, il me disait quoi dire, quoi manger, quoi porter, quoi faire. Et il y a eu plusieurs fois, mes parents ont voulu venir me récupérer, mais il y a eu des problèmes. Et vu que vous nous connaissez, comme nous les femmes, on dit qu'on aime quelqu'un, c'est un peu problématique. C'est juste un bref. Mais je vais vous parler du Gbizier Canaan et de Michael. Ça, c'est le deuxième. Gbizier Semnan et David. C'est mon premier. C'est pas facile. Toi qui me regardes, tu es une maman. Tu as des enfants. Même si tu n'as pas d'enfants, tu auras des enfants. Tu es un père. Tu n'as pas d'enfants encore que tes jeunes, tes adolescents, tu auras. C'est la logique. On est tous des personnes. On est fait pour avoir des enfants. Moi, j'ai eu des enfants avec quelqu'un. Ça n'a pas marché. Mais je n'ai pas cessé de prendre soin de mes enfants. Moi, mes frères m'ont envoyé en Chine pour pouvoir étudier. Et ça fait bientôt 4 ans. J'ai fini dans deux, on va dire, 3 mois. Dans 3 mois, je vais finir ce don pour lequel je suis venu en Chine. Excusez-moi si mon français n'est pas bien.
Mais ça ne peut pas être bien. Parce que je souffre. J'ai mal. Je vous explique. D'habitude, c'est moi qui prends soin des enfants. Je prends soin de Gbizé Kanan, aide Michael. Je prends soin de Gbizé Semnane, David. Celui qui est décidé. Qui était. L'enfant a été abandonné par son père. L'enfant a pleuré. Il a crié pour aller à l'hôpital. D'abord, moi, je n'avais pas de nouvelles, vu que ça fait 8 mois que le père ne me donnait pas de nouvelles. Je vous explique que Gbizié, le prophète, soi-disant prophète, on est marié légalement. On s'est marié en 27 décembre 2007. Quand on s'est marié, j'ai fait 14 ans. Il a falsifié les dossiers pour qu'on se marie. C'est la raison pour laquelle mon papier actuel, c'est 1988, le 19 août 1988. On a falsifié les dossiers pour faire le mariage. J'étais enceinte parce que les gars m'avaient déjà dévié. Moi, c'est le premier homme que j'ai connu dans toute ma vie. Ok, avec le temps, ça n'a pas marché. Parce que j'étais en classe de CM2, je n'avais pas terminé mes études. Mes parents ont empêté, je ne pouvais pas le faire. Parce que c'était l'adolescence. Et je pensais que j'avais trouvé l'amour de ma vie. Je suis tombée enceinte du premier, j'ai accouché, après j'ai accouché le deuxième. On s'est séparés définitivement en 2015. En 2015, moi je suis rentrée en Chine. Et lui, il est resté en Côte d'Ivoire. Mais on s'est entendu. Les enfants en question, moi, je gère les études. Je gère, c'est-à-dire la scolarité. Tout ce qui est scolarité, fête, scolarité, fourniture, cahier, tout. Moi, j'ai tout prévu. Lui, tout ce qu'il devait faire, c'est de juste prendre soin des enfants. Et à chaque fois, on est en contact. Aujourd'hui, ça fait 8 mois que le gars m'a bloqué sur ce réseau, à part le WhatsApp. J'avais pas accès à mes enfants parce qu'il a fait un faux papier, vu qu'il m'a fait croire qu'on avait divorcé. Pourtant, on n'avait pas divorcé. Moi, j'avais pas divorcé avec Gbizié. Si vous tapez Grangon Mireille et Gbizié, Saouye Patrick, vous verrez que si vous partez à la mairie de Yopougon, vous avez tapé mon nom, puis saluer Patrick, vous allez voir qu'on est mariés légalement. Le gars a falsifié les dossiers. Et il allait se marier à Dabou. On n'a pas divorcé. Il m'a envoyé un faux papier étant en Chine. Et moi, j'ai signé. Je croyais que c'était le divorce. Pourtant, ce n'est pas le divorce. Il allait se remarier avec je ne sais pas qui. Moi, j'ai dit, OK, vu que moi, je suis venue à l'école, je suis venue pour faire les études, pour pouvoir aller avec ce que je veux apprendre en Chine, aller travailler dans le gouvernement ivoirien. Ils m'ont envoyé les papiers, j'ai signé. Pourtant, c'était des faux papiers. J'ai dit, OK, tranquille au fait, tranquille. Vu que le père est là et que si le papa a réussi à se remarier, ils vont pouvoir prendre soin de mes enfants. Je l'ai appelé au téléphone. Je lui ai dit, tu es sûr que tu as fait le divorce? Il a dit, oui. Grand-moi. Moi, ici, bêté de Gagnoua. On a divorcé. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Si on a divorcé, c'est bon. Mais passe-moi ta nouvelle femme. J'ai causé même avec la nouvelle femme. Je lui ai dit, si tu as besoin d'un problème, si tu as un problème, appelle-moi en Chine. Je vais prendre soin de toi parce que quand un homme se marie et qu'il se marie à une autre femme, la nouvelle femme devient la mère automatiquement des enfants. C'est comme ça que j'ai confié mes enfants à la femme. Le courage, sois forte. C'est dur. Il a fait l'effort. Dieu est grand. Et Gbizié a fait un faux mariage. On n'avait pas divorcé. Il a changé son nom. Il a changé le nom des enfants. Il a changé la date de naissance. Sans que moi, je sois au courant. Et il m'a fait croire que tout était bien.
il y a eu, d'après lui, le divorce. Et il s'est marié, ça ne fait pas un an. Quand il s'est marié avec la femme en question, il y a eu un changement. Guizier m'a bloqué partout. Le soi-disant prophète Élisée m'a bloqué partout. Je ne pouvais pas le joindre. Le 24 décembre. Chaque 24 décembre, vu que moi, je fais croire à mes enfants que le Père Noël existe. Parce que c'est ce que nos parents nous ont fait croire. Chaque 24 décembre, j'appelais le Père et j'envoyais de l'argent. J'envoyais des cadeaux. Vu que je suis en Chine, c'est très facile d'envoyer des cadeaux. Les vélos, même quand le PS4 est sorti, c'était à 500 quelques minutes, je l'ai payé. J'envoyais au Père. Je lui ai dit, fais juste croire aux enfants que c'est le Père Noël qui a déposé le PS4. Je paye des choses pour les enfants. Le 24 décembre, je ne comprenais pas. Ça faisait 7 mois que le gars ne me parlait pas. Je lui ai envoyé un message. Je veux voir mes enfants. Oh. Je veux les voir. Il m'envoie une photo. Il m'a dit, bon. Quand j'appelle, je contacte des amis appellent. Les amis vont là-bas, ils ne voient pas les enfants. J'ai appelé le 24. Il lui dit, allô, comment tu vas? Tu vas très bien? Il a dit, tranquille, je vais bien. J'ai dit, et les enfants? Il dit, oh, ils sont allés jouer. Vous qui me regardez là, il y a maman parmi vous. Il y a les papas. Et puis vous qui êtes à l'aventure là, vous savez comment on vit. Moi, je ne mange pas, je ne dors pas. Je travaille la nuit. Je me prive de nourriture pour mettre de l'argent de côté, pour m'occuper de mes parents et mes enfants. Vu que j'ai fait l'enfant quand j'étais jeune, j'appelle le 24. Oui, allô, oui, Guizier, est-ce que je peux parler aux enfants? Non, ils sont en train de jouer. OK. Il y a quelqu'un qui a 2 iPads plus 2 000 $ équivaut à 1 million et quelques. 1 million et quelques. Francs CFA. Chez moi, il était 23 heures. Et je lui ai dit, OK, vu qu'il y a quelqu'un qui est au carrefour de Saint-André, il ne connaît pas, parce que lui, il habite derrière Saint-André. Il habite à Sikoji, derrière Saint-André. Je lui ai dit, vu qu'il y a quelqu'un qui est arrivé, il doit donner les 2 000 $ plus les 2 iPads. Un pour toi, un pour ta femme. Donc, je vais parler à mes enfants. Mon plus petit envoie une note vocale. Mais dans la note vocale, j'ai senti que ça n'allait pas. Je lui ai dit, je vais parler au plus grand. Je dis, je veux vidéo. Mais je vous dis, mère qui me regardait, mon enfant était... On peut pas le, je ne pouvais pas rire mon deuxième. Il avait la peau du visage qui quittait. L'enfant était blanc. Ça fait 7 mois qu'il me prive des enfants. J'ai tout fait. Tu sais que dans le pays là, quand tu es pauvre là, ta voix ne va pas loin. Nous, on a enfants de poignons. Moi, mon papa est planteur. Ma maman, femme et foyer. Celle qui a payé mon école, elle s'appelle Boui Saoné. C'est mes soeurs qui ont nimi pour pouvoir payer mon école. Et je suis ici. Nous, on est enfants de pauvres. On n'a personne derrière nous. J'ai quitté pour mes enfants. Et là, mon deuxième prend la parole. Allô, maman, comment tu vas? Le gars dit à côté. J'ai demandé, allô, vu que moi, j'appelle mes enfants Amour. Amour, est-ce que ça va? Amour, ça va? Il dit, maman, ça va pas. Papa est en train de nous tuer ici. Il a arraché le téléphone. Je lui ai dit, faut pas oublier, j'ai pris mon cam. Et j'ai dit, faut pas oublier qu'il y a une histoire de 2 000 $. 1 million de francs CFA, c'est pas petit en Côte d'Ivoire. Il y a 2 000 $. Puis 2 iPads. Et les iPads, là, c'est à la maison, mais j'ai payé. C'est moins de 1 500 €, donc 2 plus 1 million. 1 pour toi, femme, 1 pour toi.
C'est là, ils ont réveillé mon fils qui a rampé. Mon fils qui est mort. La foi a rampé. Et mon fils dit, mon dernier qui dit 24. En Chine et la Côte d'Ivoire, il y a 8 heures de temps. Quand il est 23 heures là-bas, je pense qu'il est 15 heures. Mon fils a rampé. Je vais balancer les photos sur mon Facebook. Mon fils a rampé, j'ai demandé. Allô, amour, Kifi, puisqu'il s'appelle David. Embêter les chefs, on appelle les chefs Kifi, ça signifie roi. Kifi, qu'est-ce qui se passe? Il est à côté, il dit, ça va. Mon fils me dit, maman, ça va, mais juste ce que je veux, viens me récupérer. Mon deuxième, vu qu'il est encore, il a 10 ans, il crie à côté, allô, maman, papa est en train de nous tuer ici. En tant qu'ils ont arraché le téléphone. Et lui, il est à côté, dit, avant d'arracher le téléphone, dit, dites que ça fait 2 semaines. Ce n'est pas la maladie, mais ça va. Et mon deuxième a dit, maman, papa nous a mis si jeune de 3 jours. Au fait, le problème, c'est quoi? Le monsieur, le soi-disant guizier, a mis mon fils, mes 2 enfants, si jeune. Les jeunes, c'est quoi? Il les a mis sur jeunes secs. Il a dit que, je ne sais pas qui lui a dit, mais les enfants pratiquent la sorcellerie. Et que les enfants veulent détruire sa carrière, vu qu'il est prophète, non? Vous connaissez un peu l'Afrique. Comment on parle à faire de Dieu, là? J'ai fait l'effort, mon fils, parce que je veux justice. Ah, comment peut Dieu son enfant de malédiction? Ah, Seigneur Jésus. Donc, l'enfant. Mon deuxième et mon premier, on les a mis si jeunes secs. On les met dans la chambre et chaque soir, le père, bisier passe et il frappe les enfants. Les enfants ne mangent pas. Moi, j'ai essayé de contacter ceux que je pouvais contacter. Il y a des amis qui sont passés le voir. Il y a des amis même qui ont appelé. Je vais mettre les voices si mon Facebook tout à l'heure. Le gars, c'est un sorcier. Son sang est froid. Les amis même sont allés le voir. Ils disent non, que ça va. Les enfants ne sont pas malades. Hein. Les enfants ne sont pas malades. Hein. Ça va chez eux. Et c'est comme ça. Mon premier fils est mort. Il a menti que l'enfant avait mal et tout. Avec quoi? Fièvre typhoïde et palu. Je ne sais pas où ils ont envoyé l'enfant. C'est mon dernier maintenant qui explique. Je l'ai appelé aujourd'hui. Il dit, maman, quand Kifi, on était dans un moment de jeûne dans la maison, la femme de papa venait et elle disait, c'est vous êtes à la base. C'est à cause de vous, la vie de vos papas ne décolle pas, son ministère ne décolle pas. Eux, on frappait le plus grand. Pendant cela, moi, je ne suis pas au courant. Quand les gens vont là-bas, ils rassurent les gens et il est tellement froid que si toi-même, vous-même qui me regardez, si vous étiez parti voir le prophète Bizier, vous allez dire qu'un père, lui-là, il ne peut pas faire ça. Parce que c'est le diable en personne. Je souffre. C'est pas facile. Mais ça va aller. J'ai expliqué. Et c'est comme ça. Il n'a jamais envoyé les enfants à l'hôpital. Il a envoyé un enfant dans, je ne sais pas dans quel ministère prophétique, quoi. Ils ont dit que l'enfant a fièvre typhoïde. Et ils ont commencé à donner des injections à mes enfants. Hein. Un enfant qui a fait, c'est-à-dire en 2 semaines, la moitié des 2 semaines, l'enfant fait 3 jours secs. 3 jours secs, les 2 enfants, 14 et 15 ans. Mon premier fils, je l'ai eu par césarienne. Il est né prématuré. Il est né, il ne faisait même pas 1 kilo. Bizet Semnan et David,
Il était prématuré, mon fils là. Puisque j'étais une gamine, j'avais 15 ans. Donc l'enfant est né prématuré, c'est un enfant prématuré. Donc imaginez un enfant prématuré qu'on met si jeune 3 jours, qui ne mange pas, qui ne boit pas, imaginez. Et puis il a un groupe sanguin très rare. C'est-à-dire que son groupe sanguin, là, pour avoir le sang, on doit anémie pour avoir son sang. C'est l'enfant comme ça, il a mis si jeune. Mon enfant ne mangeait pas. Et la nuit, il le frappait. Et sa femme, Bizier, est en contact. Il est complice avec sa nouvelle femme. Là. Ça veut dire que lui et moi, on n'a pas divorcé. Hein. Il a changé les papiers des enfants sans que moi, je ne sois au courant. Il allait se marier à Dabou. Si un faux nom, il a changé le nom de mes propres enfants. Clochard. Pour voir mes enfants. Et cet enfant, elle l'a laissé mourir. Il a fait...